Nice, le confinement n'a pas empêché les hommages. Depuis hier, les habitants se pressent vers la basilique Notre-Dame. Pour y déposer des fleurs, des messages, s'y recueillir quelques instants. Jeudi matin, c'est ici qu'un terroriste a assassiné 3 personnes, 2 femmes fidèles de la paroisse et le sacristain de l'église. Parmi les Niçois venus se recueillir, de nombreux musulmans écœurés. Écoutez le recteur de la mosquée de Nice, Boubekeur Bekri. Le culte musulman doit affirmer avec force que notre solidarité, elle est là. Et nous prônons l'unité. D'abord, nous souffrons par rapport aux victimes qui ont été massacrées ici. Nous souffrons parce que ça nous vient d'on ne sait où. Notre communauté musulmane ici sur Nice vit dans la tranquillité. Il y a des relations interreligieuses paisibles. Les communautés entre elles s'entendent. Je pense qu'on a pris ça pour de la faiblesse et on est venu nous attaquer. Ceux qui nous attaquent, ils se trompent sur les musulmans. Les musulmans sont fidèles à leur pays, à leur nation. Et puis il y a une répétition. Et Nice, nous commençons à dire, il y en a marre. Il faut absolument que les musulmans prennent la parole. Nous serons forts pour combattre cette peur et le terrorisme ne passera pas. Parce que c'est une flamme qu'il y a en nous maintenant, un réveil, un sursaut. Et nous devons l'affirmer, tous. Boubekeur Bekri, recteur d'une mosquée à Nice, au micro de Frédéric Michel. Et dans